salut tout le monde. Ben voilà, j'ai été acheter une canne au toc en occasion. J'ai pas pris la canne avec parce que je suis sur une rivière que je connais pas. Et on me l'a conseillé, mais en même temps on m'a dit qu'elle n'était pas poissonnée, mais que c'était poissonné en amont. Donc il y a peut-être des truites, je vais essayer. En tout cas, c'est joli ici. Je vous montre la rivière au passage. Voilà, on a déjà un petit rapide là, on a une petite zone un peu plus calme. On a un bouillon ici en dessous du pont. Avec un petit rocher là, c'est vraiment sympa. Enfin voilà, s'il y a des truites, je devrais peut-être en faire une déjà ici au départ. L'eau est cristalline, ou presque. Et le parcours fait plus ou moins 1 km. Donc voilà, je suis sur la Glia MEPS 1 dorée. Et on va voir directement s'il y a quelque chose dans ce bouillon qui me paraît très intéressant. Par contre, il y a des branches à crever, je vais peut-être m'accrocher. Voilà, c'est fait, je suis déjà accroché. Voilà, je suis de retour, j'ai pété ma ligne et j'ai pété tout mon bas de ligne avec. Donc bah voilà, j'ai remonté un bas de ligne et j'ai perdu ma cuillère. J'ai mis ça, c'est un petit sébi. J'ai jamais pris de poisson avec, c'est nouveau dans ma boîte, on va essayer. On va voir ce que ça donne. C'est un peu comme une cuillère. C'est quoi? C'est une truite. C'est une truite, une fario. Ah, elle est belle, franchement. Alors là, il y a du poisson ici. Ah putain, comment elle me l'a gobé. Ouais. Ah putain, décroché. Ouais, c'est pris. Oh putain, décroché. Deuxième fois que je décroche. Bon, ben, il n'y a que près du pont que j'ai touché de la truite. Je vous laisse quelques petites images pour découvrir le reste de la rivière. Oh putain. Oh, c'est une belle. Ooh, oui.